Cela tout c'est mieux, j'espère que tout sera bien. Donc voilà, aujourd'hui ce matin, justement, les coachs de la CAN, la majorité, ont déjà sorti leur liste pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la potentielle, à la liste qui a été dévoilée par Walid Regragui ce matin pour l'équipe du Maroc, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises, mais il y a plutôt surtout une liste que j'avais déjà prévue dans ma dernière vidéo, justement. Et voilà, on va un peu réagir à ça, quels joueurs ont été sélectionnés et qui malheureusement manquent dans cette liste. Ou bien justement, donc juste avant la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, maintenant on va s'intéresser au Maroc dans cette vidéo. Et bien sûr, je vais essayer de parler des autres sélections dans la journée, tout simplement, soit la Tunisie ou la Côte d'Ivoire. Donc voilà, sans plus tarder, on commence vraiment avec les gardiens de but. Ou bien sûr, comme prévu, hein, il a sélectionné 3 gardiens de but avec bien sûr Yacine Bounou en tant que gardien numéro 1, Mehdi Ben Abid et bien sûr Mounir El Kajoui. Donc voilà, personnellement, j'avais plus vu El Mouchi par exemple, qui était plus prédestiné à peut-être se rejoindre cette sélection du Maroc parce que voilà, il fait une bonne saison avec le Wydad, etc. Mais depuis début de saison, c'est assez compliqué. Et de l'autre côté, on a Mounir El Kajoui, on a l'habitude que ce soit le gardien numéro 2 du Maroc. Il a l'expérience, il a le niveau. C'est un gardien qui a plutôt assuré durant cette dernière Coupe du Monde. Donc en soi, c'est plutôt compréhensible, il n'y a aucun débat là-dessus. Et Ben Abid, bien sûr, il fait un très bon début de saison avec le Lice Fouz, donc il n'y a aucun débat là-dessus. On continue maintenant avec les défenseurs, avec Younous Abdelhamid qui a été sélectionné, Abdelkabir Akbar, Naïef Aguerd, Achatala, Chib, Mohamed Chibi, Ashraf Hakimi, Nusayir Mazraoui, Shadir Yad et enfin Romain Saïs. Donc de ce côté-là aussi, il n'y a pas beaucoup de surprises, mis à part peut-être on peut se poser la question qui est Mohamed Chibi. Tout simplement, c'est le latéral droit, justement, qui avait joué la Coupe arabe avec le Maroc il y a quelques années, en 2021, il me semble. Donc voilà, il fait un bon début de saison avec Pyramide, il peut assurer en tant que latéral droit, en tant que doubleur de Hakimi. Malheureusement, de l'autre côté, on n'a pas de El Amloud qui n'a pas été sélectionné, le latéral droit du Wydad qui est vraiment très intéressant. Malheureusement, il n'a pas été appelé. De l'autre côté, Mohamed Chibi a été préféré justement parce qu'il a l'expérience, il a déjà été appelé avec l'équipe du Maroc. Il va plutôt assurer en tant que doubleur Hakimi. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Et le reste, bien sûr, notre petite surprise, Shadir Yad, ça fait vraiment plaisir de le retrouver parce que voilà, c'est la petite surprise de Walid Regragui. Ça fait plaisir. Il fait un très bon début de saison avec le Betis Séville. Donc pour le remercier, pour le féliciter, bien sûr qu'il méritait cette sélection et les autres aussi méritent leur sélection sans aucun débat. On continue maintenant avec les milieux de terrain où il y a un peu plus de débat de ce côté-là avec Selim Amala, Amrabat, El Azouzi, El Khanous, Harit, Unai, Richardson et enfin Saïd Barry tout simplement. Donc voilà, on peut remarquer qu'il manque 2 absents peut-être. Il manque Bouchouari malheureusement et El Aïnoui. Donc voilà, Bouchouari n'a pas été sélectionné malheureusement. Il a été préféré, enfin El Azouzi a été préféré par rapport à Bouchouari, qui fait un bon début de saison en Serie A avec Boulogne. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Malheureusement, Bouchouari méritait cette sélection aussi. Je comprends pas forcément son traitement qu'il a avec l'équipe A du Maroc. C'est un peu décevant quand même au vu de son potentiel et des qualités qu'il offre avec Saint-Etienne. Mais de ce côté-là, voilà, malheureusement, il n'a pas été sélectionné Bouchouari. Je suis quand même dégoûté parce que voilà, c'est une pépite qui aurait pu être intéressante, mais il n'a pas été sélectionné. Et de l'autre côté, on n'a pas de El Aïnoui qui fait un très bon début de saison avec le RC Lens, qui n'a pas été sélectionné non plus. Ils ont préféré Amala et El Azouzi. Voilà, à voir un peu s'il y a du débat ou pas, mais en tout cas, c'est assez compréhensible pour El Azouzi. Mais Amala, voilà, c'est un peu décevant parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais c'est compréhensible parce qu'il a le niveau de cette équipe du Maroc aussi. Peut-être Aïnoui aussi, hein, malheureusement, il n'a pas été sélectionné, mais de ce côté-là, voilà, c'est peut-être ce qui me pourrait me déranger en tant que milieu de terrain. Et en attaque, bien sûr, on a Amin Adli, on a Sofiane Boufal, on a El Kabi, Enis Riaz Alzoui, Tissot Ali, Eziyech. Voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est les attaquants que j'avais prévus. Mot pour mot, joueur pour joueur, c'est les joueurs que j'avais prévus. Bien sûr, c'est complètement compréhensible. Certains pensaient pas forcément à un retour de Boufal, voilà, puisque voilà, il a plus forcément le niveau entre guillemets d'après quelques personnes. Il a pas forcément la condition physique, il est pas forcément prêt footballistiquement, mais en tout cas, on sait que c'est un très bon joueur, Boufal. Il peut beaucoup aider sur ce côté gauche et de ce côté-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Avec Amin Adli, bien sûr, Ziyech sur le côté droit et Abdé Boufal sur le côté gauche et les buteurs, bien sûr, El Kabi, Inesri et Tissot Ali. Bien sûr, voilà, ça fait plaisir de revoir un retour de Tissot Ali. Ça fait plaisir, enfin, un gros début de saison avec la Gontoise. Donc voilà, c'est complètement compréhensible. Et voilà, on a pu remarquer aussi du coup les absences de Hamdallah et de Chedira. C'est complètement compréhensible. Malheureusement, ils font vraiment des très mauvais passages quand ils jouent sous le maillot du Maroc. Voilà, certes, ils sont très bons avec leur club, notamment Hamdallah qui explose tout avec El Ittihad. Mais malheureusement, avec le Maroc, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été sélectionnés justement. Donc voilà, en soi, la liste, je pense qu'elle est vraiment très très propre sur le papier. C'est vraiment très propre. Je pense que vraiment, avec cette liste, ils pourront vraiment aller très très loin, notamment les gardiens. But, voilà, c'est complètement compréhensible. Ils font tous les trois un bon début de saison avec leur club. Certes, Bounou, je crois, dans l'un des meilleurs clubs au monde. Mais en tout cas, c'est complètement compréhensible. C'est intéressant. Les défenseurs aussi, c'est franchement, c'est très bon aussi. Peut-être Mohamed Chibi, c'est à discuter, on va dire. Il y a du débat. On peut faire un débat là-dessus. Parce que voilà, El Amloud, il méritait complètement aussi cette sélection. Il fait un très bon début de saison avec le Wydad. Et voilà, Mohamed Chibi en soi, c'est compréhensible. Il a déjà joué avec le Maroc. Il n'a pas été exceptionnel non plus. Encore une fois, ça joue, c'est pour jouer en tant que doublure. Mazraoui, finalement, voilà, qui n'est pas forfait, qui pourra jouer. Heureusement, qu'il a l'expérience, il a le niveau. Franchement, c'est un très bon joueur pour le récompenser de ses débuts de saison avec le Bayern Munich qui est vraiment très intéressant où il est titulaire. Et Shadir Yad, bien sûr, j'ai hâte de le retrouver sous le maillot du Maroc, ça fait vraiment plaisir. Hein. Parce que voilà, on sait qu'il joue avec l'équipe U23 du Maroc. Là, il était appelé avec l'équipe première où il a complètement le niveau, il est très bon en Liga où il a retrouvé sa place titulaire avec le Betis Séville. Donc, ce côté-là, franchement, c'est très très intéressant. Mais moi, ce qui me déçoit le plus, c'est plus le poste de milieu de terrain où voilà, je suis un peu dégoûté. J'ai trouvé qu'il y avait du débat par rapport à El Aïnoui qui fait un très bon début de saison avec le RC Lens. Peut-être à la place de Amala qui, malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec son club actuel à Valence, c'est un peu compliqué. On sait qu'il
avec le Maroc, il est quand même très bon aussi. El Azouzi en soi, voilà, c'est un jeune aussi des U23, mais en soi, il fait un bon début avec Bologne. Voilà, il est titulaire, il joue pas mal de matchs, il enchaîne les matchs. Donc voilà, en soi, que ça peut être compréhensible aussi, mais je suis quand même dégoûté un petit peu pour Bouchouari, le traitement qu'il a malheureusement en équipe A. On sait que c'est une grosse pépite, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Et voilà, je pense qu'il aurait mis peut-être un peu plus de tendu, un peu plus de confiance, on va dire. Mais en soi, la liste est vraiment très très propre et très très bonne. Et de l'autre côté, on a Wydry Gragi qui a annoncé un match de préparation contre la Gambie juste avant la Coupe d'Afrique. Donc voilà, la Gambie, c'est une équipe très intéressante. On sait que voilà, ça pourrait être intéressant. Tester cette composition, tester les nouveaux joueurs notamment. Et de l'autre côté aussi, en attaque, il nous manque Arromash aussi qui n'a pas été sélectionné. En soi, c'est compréhensible aussi. Il vient juste de trouver du vrai tendu avec Villarreal. Voilà, il vient de découvrir le haut niveau, entre guillemets, on va dire. Donc c'est compréhensible. Il a pour l'instant jamais joué avec le Maroc non plus. Donc voilà, c'est compréhensible aussi. Tout comme Sofiane Diop aussi. Pour ceux qui se posent la question, il joue pas forcément beaucoup depuis le début de saison avec Nice. Donc voilà, c'est compréhensible aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cette liste du Maroc. Pour moi, franchement, elle reste très très propre. Il y a quasiment aucune faute, aucune bourse. Franchement, c'est très propre de la part de Wydry Gragi. Il y a peut-être Mohamed Chibi. Ça peut être discutable, mais en soi, la liste, elle est vraiment très très bonne, très forte. On sait que le Maroc est doté d'un énorme potentiel. Mais sur favorite pour cette prochaine Coupe d'Afrique, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si vous aimez la Coupe d'Afrique. Mais sûr, d'ici les prochains jours, il y a beaucoup de listes qui vont sortir, etc. Je vais essayer de faire des vidéos pour quasiment les plus grosses nations d'Afrique, histoire de parler un petit peu de tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était mignon, je vous dis à la prochaine. Ciao.